Bonjour à Mougou. Bonjour Willy. Bonjour le roi Henri. Bon, j'ai beaucoup de... Ma mission, c'est de vous aider. Bonjour la reine Elodie. Ma mission, c'est de vous aider. Je veux vous aider à passer, à connecter votre religion, le développement personnel et vos traditions. Ma fille, mon numéro c'est le 693 50 22 66. Oui, je vais commencer les cours à partir de la semaine prochaine. J'ai généralement des formations que je fais, donc j'avais arrêté pour le mois de février. Donc début mars, j'ai recommencé les conférences, les ateliers et les formations. Parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez approché, vous êtes conscient de là où vous êtes. Maintenant, vous ne savez pas comment partir à partir d'ici. Donc, moi, je touche toujours les entrepreneurs. Parce que je suis convaincu que pour réussir, chacun doit entreprendre. Pas un, deux, trois business. Vous devez avoir au moins cinq sources de revenus. Donc. Et. Vous devez apprendre à investir si vous voulez avoir un retour. Donc, tu as le genre que si on te dit que tout ton devant derrière, c'est 25 000. On te dit, paye 20 000 pour qu'on t'apprenne quelque chose. Va payer 20 000. Apprends. Tu ne vas pas mourir avec les 5 000 là. Les 5 000 là ne vont pas te tuer. Au contraire, tu vas trouver un moyen de multiplier les 5 000 là. Oui, tu peux utiliser le kit d'attraction avant le kit fondation. Mais le kit fondation est tellement important. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vivre les vies de vos mères. Pour la personne qui vient de payer sa dîme, que le Seigneur bénisse, je bénis cette dîme au nom de Jésus. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup sont pas. Depuis que vous m'écoutez, vous êtes quitté de simpleton à. Vous êtes au milieu. Et je vous ai dit hier que le sel, ce n'est pas tout. Le sel, c'est 1% du travail. Le sel, c'est la porte d'entrée. J'ai été pasteur, coach. Maintenant, les traditions sont venues s'ajouter dessus. Pour moi, les traditions, en fait, c'était le dernier niveau qu'il fallait compléter. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ont encore un radicalisme dans leur tête. Toutes ces choses que je viens de citer, ça va ensemble. Je peux prendre la Bible, je fais un séminaire de développement personnel sur l'argent. Je ne lis que les versets bibliques. Je peux prendre la Bible, je t'amène au village. On sacrifie les animaux. Je te lis les versets bibliques. Et je prends la Bible, je te prêche la parole. Enlevez de votre tête ce qu'on vous a dit. Beaucoup savent croire que les traditions sont mauvaises. Beaucoup. Certains, vous ne comprenez même pas. Donc, comme vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce que tu ne connais pas et ne comprends pas quelque chose que ça n'a pas d'influence sur toi.
Bonjour Carla, bonjour Ruth, bonjour Yannick, bonjour Antoine, Antoinette. Je vous en prie, partagez la vidéo aussi. Il n'y a pas de problème, Yannick, tu viens chercher le kit d'attraction. C'est comme si tu pars en haut du 20e étage d'un immeuble. Tu te mets. Tu dis, je suis la plus forte. Moi, je ne connais pas moi la loi. Je ne connais même pas qu'il y a une loi qui existait. Tu sautes. Bonjour, monsieur le roi William. Tu vas sauter du 20e étage. Qu'est-ce qui va te toucher? La loi de quoi? La pesanteur. Tu vas tomber, tu vas casser ta tête, tu vas mourir. Beaucoup d'entre vous, même moi, j'ai fait partie. On ignorait ce qu'il y avait fait au village parce que les parents ne vous avaient pas enseigné. Chacun d'entre nous, on vient de quelqu'un. On a une mère qui avait une mère qui avait une mère qui avait une mère. Donc on n'est pas sorti de nulle part. Et quand Abraham parlait, il disait toujours, quand Isaac parlait, le Dieu d'Abraham. Quand Isaac parlait, il dit, le Dieu d'Abraham, mon père. Quand Jacob parlait, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Donc il comprenait qu'il y a quelque chose. Le Dieu que mon père m'a montré là. Je vous ai déjà intensément enseigné. Si vous êtes nouveau sur ma page, allez regarder les enseignements. Je vais commencer à organiser à partir de la semaine prochaine. Ceux qui sont à Douala, vous serez gâtés parce que mon lieu de résidence permanent, c'est à Douala. Donc même si je voyage, je vais ailleurs. Côte d'Ivoire, je vais faire un séminaire en Côte d'Ivoire le 12 ou le 13. Je vais regarder l'une des deux dates. Mais à partir du 11, je suis en Côte d'Ivoire. C'est à confirmer et acheter le billet. Et mon billet est non remboursable, donc il n'y avait que partir. Donc, les gens de Côte d'Ivoire, je vais venir là-bas déposer le maximum qu'il y a à déposer. Maintenant, ceux qui sont ici au Cameroun, prenez pour vous à fond. Beaucoup, vous m'écoutez, vous savez que vous avez des missions de vie. Vous savez. Mais vous venez, si on parle, après vous vous levez, vous partez. Je n'entends plus parler de vous. Sachez que, fan, il y a le travail sur ça. Tu ne dois pas laisser ni permettre que ton esprit s'endorme. Hier, je vous ai dit que vous devez être sensible. Deux, trois jours, tu commences à faire les mauvais rêves. Tu vois, ton argent est en suspens. Tu fais une application, deux, on refuse. Quelque chose, il y a quelque chose. Tu payes ta dîme. Tu descends au village. Tu mets les trucs de développement personnel. Tu écoutes. Tu écoutes. Je connais beaucoup d'entre vous. Vous pouvez me citer tous les Zig Ziglar, Tony Robbins, Bob Proctor. Mais on ne voit aucun résultat. Parce que vous manquez de puissance. Cette puissance, ça se prend dans votre village. L'argent, on ne parle pas de l'argent. On a l'argent. Moi, je n'aime pas qui parle trop. Quand je suis quelque part, on commence à dire, je dis que non. Je veux l'action. Donc évitez les endroits où on va trop vous dire les choses, vous raconter. Tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas. Non, non, non. Action. Celui qui te parle là, il a déjà fait quoi? Les gens ont confirmé. Il a fait quoi? Les gens ont vu. Est-ce qu'il te pousse à faire? Manu, non, Manova, c'est pas une mission ça. Oublie. Oublie. Ton devoir premier, c'est de devenir riche. En tirant ta voulant tirer ta famille de la pauvreté, tu vas lire, tu vas confirmer le code. C'est d'ailleurs parce que tu es sorti de la pauvreté que tu es toujours pauvre. Estengo,
J'ai bien vu ton message. Si tu écris le même message 4 fois, je te bloque. On est clair, non? Voilà. Tu vois, c'est tout le monde qui veut me voir, qui me voit. Tu vas me venir ici, là, tu vas pas me voir. Tu vas me venir ici, il va refuser de te voir. On fait les vidéos, on vous dit les choses à faire, vous ne faites pas. Laisse-moi te voir, tu veux me toucher, mais l'autre personne vient, oh, je veux seulement que tu vois et te toucher. Tu te laves avec le sel, non. Tu fais ça, tu paies ta dîme, non. Tu fais ça, non. Tu vois, seulement tu vas me toucher, que ça va faire quoi? Écoutez, je ne sais pas beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. L'autre là, je suis sûr. Et c'est qu'il y a des traditionnalistes qui disent, wow, la prière, la parole de Dieu, c'est même quoi? Hein? Oh. La base, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La base, c'est la parole de Dieu. Les démons, là, quand tu commences à prendre un verset biblique, là, ils n'aiment pas ça. Donc, tu fais n'importe quoi. Prends la parole. Voilà ça. Bonjour la reine Marie-Laure. Bonjour la reine Angèle. Voilà ça. Votre problème, c'est qu'on ne vous avait pas bien expliqué la parole. Vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré les gens pour qu'ils écrivent ça. Et il y a les codes dedans. Quand tu lis la Bible avec un esprit ouvert, c'est là que tu comprends. Il y a les gens qui ont utilisé la parole aussi pour me contrôler. Il y a les gens qui ont utilisé ça pour me contrôler. Alors que ma libération était ici dedans. Votre deuxième problème, c'est que vous êtes paresseux. Si on te dit que l'île de cette chose va t'expliquer, non. Ah. Moi, je veux que quelqu'un explique moi. Ça veut dire quoi? Moi, je ne veux pas attendre que le Saint-Esprit dise c'est trop long. C'est trop long. Donne-moi le raccourci. Il y a les choses que c'est 8 ans plus tard, c'est cette année, que je comprends dans la parole. Dieu veut que vous soyez riche. Et tout que vous êtes parti à l'église, on vous a montré. On a pris la Bible pour te montrer que Dieu veut que tu sois humble et pauvre. Est-ce qu'on parlait mal à Jésus? Ça ne va pas, il te plonge bien même. Proverbe. Bonjour, la reine en bleu. Proverbe 10, verset 22. The blessing of the Lord brings wealth. Without painful toil for it. En français, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'apporte aucune larme avec cette bénédiction. Ok, je suis béni des ancêtres. Je suis béni de ceci. Bénédiction et richesse vont de pair. Et quand Jésus est mort, Jésus est devenu l'ancêtre aussi. Jésus, c'est un ancêtre. Je ne vois pas comment vous dites de laisser tous les autres ancêtres, ceux qui vous ont mis au monde. Vous acceptez seulement Jésus. Tout le monde voulait rejeter. Maintenant, on a lavé le cerveau de certaines personnes avec l'évangile. Oh Seigneur. Vous exagérez. Vous ne bougez pas d'un petit doigt. Oh Seigneur, je laisse dans tes bras.
Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Seigneur, je laisse tout à toi. Quand je chante mon conseil, je n'aime même pas ça, mais fais un jaïch, je n'aime pas ça. Dieu a déjà tout fait, Dieu ne va encore plus rien faire du tout. Si ça se dit même, il ne va encore plus, il ne va plus rien faire du tout. Vous avez compris? Excuse my French. Le lavage du mois, envoyez vos sous pour ça. 15 000 par personne. Si c'est trop chaud, le mois prochain, je vais monter à 20 000. Ne ratez plus les lavages. Vous devez vous laver. Il y a des choses sur vous qu'il faut laver. Quand vous envoyez l'argent, dites seulement que c'est pour le premier. Et le jour où on va faire un zoom, ici à Douala, j'ai l'endroit ici, c'est grand. Vous serez tous ici, de là, on va faire un truc ensemble. Angèle Raymond, donc tu as mon argent que tu vas envoyer. J'aime l'argent. Écris-moi après, je vais t'envoyer la facture. Écoutez, hein. Ce qui énerve souvent vos maris dans votre église, quand vous partez religion, religion tous les jours, c'est qu'on vous affaiblit. Jésus avait les moyens de sa politique. Il se lève et dit, alors, traversons, on part de l'autre côté. On fait le convoi, le cortège. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. La preuve, ce sont les gens qui étaient dans son convoi qui s'occupaient de lui financièrement. Jésus ne blaguait pas avec les offrandes. Vous allez dans les églises avec 500 d'offrandes, 500 francs d'offrandes. Tu peux donner 5 euros d'offrandes à l'église. C'est quand il commençait à donner les grosses sommes en offrandes, dîmes offrandes, que mon argent a commencé à monter vraiment. Tu donnes peu, tu auras peu. Point à la ligne. Quand vous allez à l'église, on vous a. Ne t'inquiète pas, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. God's time. Tu amènes ton mari à l'église une fois, il voit ça, il dit que non, je ne sais pas moi sur ça. Certains de vos maris qui ne partent pas à l'église, ils sont très spirituels. Hein. Ils sont très spirituels. Religion et spiritualité, c'est deux choses totalement différentes. Tu parles à l'église, tu es dans la chorale, tu prends la communion, tu fais. Vous aimez dire vos trucs là pour impressionner les gens, regardez-moi cela. J'ai dit que je ne vois pas la puissance dans tes paroles. I don't see power. La puissance commande ton argent. Voilà le problème des chrétiens. Tout ce qui vous importe, c'est de juger les gens. Et il y en a parmi vous, ne connaissez même pas Jésus que vous dites là. La preuve, vous marchez avec les chaussures trouées. Répartissez-vous. Acceptez Jésus. Toi-même, tu connais Jésus. Je vous mets au challenge. Allez lire le Nouveau Testament. Jésus se met, il nourrit 5 000 personnes, 15 000 personnes. Pourquoi il nourrit avec quoi? Il se lève et dit, allons dans l'autre pays. Pape, il est parti. Tout le monde a le cortège, il perd le billet. Il prend l'avion, peut-être même le jet privé. Tout pour vous, connais Jésus. Tu appartiens en enfer. Vous voilà. Tu appartiens en enfer. Vous êtes en train de vivre votre enfer déjà. Tu vois là, le matin, tu vas réfléchir comment tu vas manger aujourd'hui. Chantez Dieu, Jean, Jésus, Jésus. Vous êtes parti à l'église, vous aliénez. Vous aliénez parce que vous ne voulez pas connaître la vérité. On dit que la vérité, ça te libère. Check toi-même. Chaque fois qu'on dit à l'église que paye l'offrande, tu te sens comment? Tu as mal, non? Bah, tu n'as même pas d'abord. Au carré. Tu fuis le travail pour aller à l'église tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, tu as espoir qu'ils vont te donner le mari ou la femme un jour. Va bosser.
Boss. Mes fils la connaissent, non? Je n'ai pas besoin de vous parler tous les jours. Bah, essaie que tu aies au moins 5 business que tu gères par jour. C'est ça qu'elle veut. Quand tu restes, l'enfant est malade. Même pour partir à l'hôpital, les premiers soins que tu ne peux pas payer pour l'enfant. Jésus, Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Juge-toi d'abord. Juge-toi d'abord. Regarde ta vie. Qu'est-ce que je respire? Est-ce que je suis à l'aise? S'il va aller prêcher Jésus aux gens. D'abord, ma part là, ça fait comment? Que ma part est comment? Comment je sens dans moi? Marche à pied tous les jours. Tout ce que tu connais, c'est vendu. Tu marches avec la Bible le dimanche. Voilà, tout va en route. Tu te trompes toi-même. Jésus a dit que ne faites pas votre charité devant les gens pour qu'on voie. Vous mettez les versets bibliques sur vos statuts tous les jours. Vous envoyez les faire suivre aux gens. Verset tel, la parole dit ceci. Quand on m'envoie les tons, il dit arrêtez, je dis que tu arrêtes. Stop it. C'est stop it. Tu continues, te bloques. Tu es dans un de mes groupes, je te bloque, je t'enlève. Le casse pèse droit déjà avec Jésus, Jésus, Jésus. Fais le genre que quelqu'un te poursuit, il dit que maman, montre-moi, tu fais comment? Que tu fais comment? Que, ah, je ne sais pas comment, non, vraiment, mamie. Montre-moi. Je te connais il y a cela 6 mois. Tu n'étais pas comme ça. Il y a certaines chansons même d'adoration que vous ne devez pas écouter. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Jésus, tu es tout. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Je te cherche. Tu es mon mari. Tu es ma femme. C'est pour ça que les hommes te fuient. Pas dans ton cœur. Jésus, Jésus, c'est mon tout. Dis avec tes propres problèmes. Certains parmi vous les chrétiens, vous vous cachez. Vous vous cachez derrière l'image de Jésus. Vous avez des issues. You got issue, man. You have bad temper. Bad character. Jésus, c'est mon tout. Non, il ne partait pas à l'église. C'est pour ça que je l'ai quitté. Non, ma chérie, tu avais un mauvais comportement. Ton caractère était mauvais. Il voulait coucher avec moi avant le mariage. C'est tout ce que vous venez. Esther Ngonyuba, dernier avertissement, il te bloque de ma page. Je n'ai rien à faire de tes problèmes. Tu as compris? Tu as des problèmes ici plus que qui? Tu veux qu'on te dise nos problèmes? Tu veux qu'on te dise nos problèmes? Continue encore, poste encore des trucs, évite de bloquer. Quittez de l'aliénation que vous dans laquelle vous êtes entré. Je ne vais pas discuter des origines de Jésus avec les gens. Tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'est-ce que Jésus peut me donner. Si ça nettoie mon visage, ça me donne l'argent, ça ouvre ma voix, c'est bon. Que Jésus était Bamileke, oh, qu'il était Boulou, oh, qu'il était Égyptien, oh, peu importe. Je ne rends pas moi les dialogues là. Parce que vous ne savez pas où cibler vos débats. Tu vas rester matin, midi, soir. Parler pour convaincre les gens. À la fin de la journée, tu n'as pas 5000 francs. On va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Tu vas venir parler, parler, parler. On va dire, n'est-ce pas, tu vas parler en rentrant, tu attends qu'on te donne 5000. Gars, à un moment, hein, finis ça avec la honte. À un moment, sortez de la honte. La Bible, si tu peux, tu lis, tu crois, tu deviens riche.
Il y a certains d'entre vous que vous devez pas, vous devez arrêter certaines églises. Il y a certaines églises que vous allez arrêter de fréquenter. Parce que vous ne croyez pas ce que la Bible dit. Deutéronome 28. Si tu obéis totalement à la voix de l'Éternel, tu suis ses commandements. Il va te mettre au-dessus de toutes les nations. Si tu es au-dessus d'une nation, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu manques les papiers pendant 10 ans. Tu as dit que Jésus, je ne peux pas te connaître. Et le tout, c'est que vos bouches là vous gâtent aussi trop. Vos propres bouches là. Tu pries, oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Oui, oui. Dès que tu finis. Ah, c'est chaud. Le pays, c'est dur jusqu'à. Maman. Hé, hey, maman, c'est dur. Cela, c'est fort. Il dit, tu seras béni dans la. You will be blessed in the city. Blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed. Ça veut dire que les enfants, tu ne vas pas manquer. Tu ne vas pas manquer l'enfant. Tu es dans un pays, tu es béni dans le pays là. Ton panier, your basket and your kneading door, your kneading trough will be blessed. Ton panier et ta machine qui travaille. Anne Efa, contacte-moi à inbox. On va te faire le lavage express. Parce que Dieu connaît que si tu me suis, dans la bénédiction qui donne dans Deutéronome 28, il met toutes tes entreprises. Tes business seront bénis. Tout ce que tu vas faire sera béni. Il n'a pas dit que tu vas t'asseoir à la maison. Tu vas seulement prier, ça va venir. Parce que Dieu lui-même connaît que ses enfants doivent sortir pour chercher. Josué. Josué 1. Parce que vous ne croyez pas ce que la Bible dit. Il dit, personne ne sera, verset 5, personne ne peut, no one will be able to stand against you all days of your life. Personne ne peut se mettre devant toi et te faire un mur. Je suis à Douala. Le rendez-vous est possible. Personne ne peut se mettre devant toi et te faire barrière jusqu'à sa marche. Tous les jours de ta vie. On vous a dit, mangez le don, faites vos déclarations le matin. Vous avez mangé le don aujourd'hui? Non. Vous avez parlé? Non. Vous ne dirigez pas votre journée, on va diriger pour vous. Mon téléphone, le 693, j'avais oublié ce téléphone dans mon appartement en voyageant. Donc depuis 2 jours, ceux qui ont appelé ce 693, vous n'avez sûrement pas pu me parler. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et Moïse, c'était son père spirituel. Vital, Vital, voilà le numéro. 693 50 22 66. Quen, ce truc de la tradition Bamileke, quand on mélange avec la terre, on te fait, c'est pour te protéger. Et généralement aussi, c'est pour la puissance. Quand cette terre-là, on prend ça généralement dans un lieu sacré pour te donner. C'est pour donner la puissance du lieu sacré-là. Et les lieux sacrés, c'est généralement les hôtels. C'est les endroits où tu pars, tu donnes ton offrande et tu parles. Là-bas que tu tisses une alliance où tu demandes quelque chose. Vous voyez que ici, quand Dieu donne la promesse à Josué, il lui dit que comme j'étais avec ton père, comme j'étais avec ton père, je serai avec toi. Ça veut dire qu'il a dû activer la protection de son ancêtre Moïse sur lui.
Et là, verset 6, sois fort et courageux, parce que tu vas conduire ces gens pour qu'ils prennent en héritage la terre que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Vous voyez que Dieu parle beaucoup d'ancêtres dans la Bible. Écoutez-moi bien. On a pris la Bible, c'est pour vous aliéner là. Quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, c'est parce que il avait promis à son ancêtre. Vous avez beaucoup de choses de vos ancêtres que vous n'avez jamais réclamées. Comment dit-on? Vous n'avez jamais redemandé. Vous n'avez jamais demandé. You never claim that power. Même la succession. Tu arrives, on t'a lavé le cerveau avec l'église. Ok, comme tu es à l'église, tu sais là. C'est sur la base de quel ancêtre alors? Allez voir dans la Bible. Chacun, il tenait tout ça de quelqu'un. Élie, Élisée. Josué, Moïse. Allô? Oui, bonjour. Oui. À Bomban, c'est où? Je suis à Douala. D'accord. Va au téléphone, et quand vous dites que je ne couche pas souvent au téléphone. Verset 7. Sois fort et courageux. Et sois maintenant prudent pour obéir tout ce que mon serviteur Moïse t'a donné. Donc même Josué devait suivre les coutumes que Moïse lui a montrées. Et vous, malheureusement, vous ne connaissez pas beaucoup de coutumes. Vous ne connaissez même pas. Écoutez, je vous dis ceci, vous êtes tombé sur mon message parce que beaucoup de personnes l'ont rêvé ces derniers temps. Et vous dites que quand vous me voyez dans vos rêves, je suis avec peut-être votre mère qui est déjà morte, je suis avec un de vos ancêtres. Ça, c'est la période de restauration. Il y a beaucoup de choses qui vous reviennent, qui sont censées vous donner. Premièrement, ils ne savent pas comment vous localiser. Toutes les fois, ils essaient de vous parler. Ils viennent dans ton rêve, ils peuvent parler. Tu m'as dit, oh, tu es mort, on a dit à l'église que. Ça ne le châssit pas. Maintenant, elle va vous parler comme ça, là, quelque chose va en toi va dire que oui, c'est vrai. Que oui, c'est vrai. Imaginez-vous mourir, vous essayez de vous parler à votre fils, peut-être. Vous dites que pas plutôt comme ça. Les gens qui m'ont tué sont les gens avec qui tu collabores là. Ils m'ont enlevé parce qu'ils voulaient sucer ton énergie. Tu vas faire comment parler à l'enfant? Tu ne peux que revenir en rêve, non? Parce qu'un jour, vous serez les ancêtres de vos enfants. Hein? Quand vous dites que vous maîtrisez là. Un jour, moi-même, je serai morte. Je serai l'ancêtre de ma fille. De mes filles. Et il y a aussi les ancêtres spirituels. Je ne peux pas dire le nombre de rêves où les gens m'ont vu. J'étais là, j'étais en train de m'asseoir. Il y avait une légion. Tu es apparu avec ma tante. Tu es apparu avec ma mère. Tu es apparu. Tu m'as donné tel de bâton. Tu m'as fait ceci. Parce que les paroles que je vous donne, ça vous fait mener un combat spirituel. Quand vous venez m'insulter sur cela, vous ne savez pas que les paroles que je vous donne, ça vous a déjà aidé quelque part. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite sur lui jour et nuit. Et là, tu pourras faire tout ce qui est écrit là-dedans. Et tu vas prospérer et devenir et avoir du succès. Ah, voilà les deux téléphones qui font ce qui ils sont ensemble. Veuillez me rappeler dans 15 minutes, s'il vous plaît. Je suis en direct. C'est quand tu vas obéir et aller dans le livre de aller dans Lévitique. Dans Lévitique, ouais, Seigneur. Dans Lévitique, vous allez voir les lois.
montre comment sacrifier les animaux, comment verser le sang. Il sait que vous négligez trop. Il y a quelqu'un, je me suis assise le jour à l'agence comme ça, je suis en train de manger moi, mon poisson. Ce jeune homme devant moi, les anciens commencent à me parler que dis-lui ceci, dis-lui ça. Je dis que je suis en train de manger mon poisson là, tu sais comment avez-vous. Parle-lui, dis-lui. J'ouvre la bouche, donc je commence à lui parler. Je lui demande que tu pars, il part au village enterrer quelqu'un. Et je lui demande, est-ce que tu passes souvent faire des coutumes au village? Il me dit, non, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Il me sort son drapeau. Moi je suis chrétien et fier de l'être. Je regarde son village, il dit, toi et ta femme, vous souffrez actuellement. Il ne dit rien. Vous souffrez parce qu'il y a les coutumes au village que tu dois aller faire. On t'a dit, il dit, oui, c'est vrai. L'autre jour, un homme m'a dit la même chose. Mais non, Jésus est déjà venu, il est à mort sur la croix pour tout ça. Et continue, lui dit tout ce qu'on m'a dit de lui dire. Il dit, ok, on m'a dit, dit ça, ça, ça. Maintenant, si tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas, papa. Tu as compris? Il dit, oui. J'ai continué à marier mon poisson. Ce n'est pas par hasard que le deux tiers de la Bible, deux tiers de cette Bible, c'est l'Ancien Testament. Matthieu commence dans cette Bible-là à la page 1471. Et la Bible totale à 1900 pages. Donc une Bible de 1900 pages. 1470 pages, c'est l'Ancien Testament. Comme vous dites que Jésus est venu dans le Nouveau Testament, on oublie l'Ancien. C'est que le Seigneur allait dire que n'écrivez même pas l'Ancien Testament. Il allait couper tout ce qu'il a jeté. Allez lire votre Ancien Testament. Allez voir combien de fois Abraham est parti faire les autels. Allez voir combien de fois Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Allez voir, s'il vous plaît. Parce que les chrétiens sont paresseux. Vous comprenez bien? Paresseux. Plus j'étudie ça, plus je comprends que toutes ces religions-là, ils ont une connexion. Du coup, même si tu es dans n'importe quelle religion, si ton cœur veut vraiment connaître, Dieu va te guider. À travers la religion, il va te montrer comment faire. Ça ne me sert à rien de vouloir montrer aux gens qu'ils connaissent plus que tout, moi je suis chrétienne, hein. Moi je connais plus que toi. Je vais aller au paradis, tu vas aller en enfer. Ça ne sert à rien. Tous les problèmes que tu as dans ta vie là, chacun de tes problèmes, c'est parce que tu ignores quelque chose dans ce domaine. Dès que tu vas connaître tout ça, ça va cliquer, tic, 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 tic. Tu vas voir comment ton argent va venir, ton mariage, ton enfant. Bonjour Annelle. Voilà. Le développement personnel n'est pas complet. La preuve, c'est maintenant qu'on a les coachs noirs. C'est peut-être depuis 10 ans qu'il y a les coachs noirs qui se lèvent vraiment. Mais tu n'as jamais vu un coach blanc qui va te dire, pas sur la tombe de telle personne. Donc, prenez les motivations qu'il donne. Dans les stratégies qui montent, c'est bien. Maintenant, vous ajoutez à ça ce que la Bible vous montre qu'on pratique. Et vous partez au village complété. Si mon dialogue ne plaît pas à quelqu'un, ou mon discours, vous pouvez toujours désabonner-vous, très simplement. Moi, je ne force pas quelqu'un à venir sur ma page. Désabonnez-vous. Voilà. Ceux qui veulent le lavage à distance, inscrivez-vous pour le lavage du mois. Donc, le 1er mars, il y a un lavage collectif qu'on va faire.
Je vais commencer à mettre les dates pour les séminaires et les trucs comme ça là. Et les formations. Parce que vraiment, beaucoup d'entre vous, il faut qu'on vous relance. Vous avez besoin de vous remettre sur la ligne de votre mission de vie. Beaucoup d'entre vous, vous faites les business. Votre business est en train de tomber. Voilà, bonjour, lumière, sagesse divine. Avec ton faux profil, je te félicite, tu as créé un faux profil, bravo. Bro, bravo à toi. Tu peux maintenant écrire tout ce que tu veux ici. Tes déceptiques ne vont pas savoir ce que tu as dit. C'est super. Ok, mais tu arrives quand je pars. Je dois y aller. Bonne journée à vous.